Formation sur la crypto-monnaie avec Profou PLJJ. Nous arrivons dans la partie 8, dans la formation qui est très importante, l'arrivée dans le monde crypto-monnaie. Donc, qui ça nous parle parler aujourd'hui? C'est simple, nous parle parler de portefeuille, ça relève wallet en anglais. Qui ça qui y ont portefeuille? Eh bien, yon portefeuille, c'est un emplacement pour garder crypto ou yo. C'est même genre avec un compte que vous avez en ligne, que vous êtes capable de vérifier combien de crypto vous avez, qui est capable de faire transaction avec crypto-monnaie ou yo. Mes amis, je suis capable de dire que vous avez une catégorie de portefeuille qui existe. Vous avez deux catégories. Dans parmi les catégories, ça, nous jouons premièrement gain centralisé, deuxièmement nous jouons décentralisé. Qui ça qui a un portefeuille centralisé et qui ça qui a un portefeuille décentralisé? Un portefeuille qui est centralisé, nous sommes capables de toujours demander une vérification avec Katou, carte d'identité ou passeport. Par exemple, Binance mandé une vérification de Katou pour connaître qui est-ce qui gagne compte ça, qui est-ce qui gagne portefeuille ça. Coinbase, yo tout mandé, nous capable d'où une vérification de identité. Et nous gagne encore portefeuille décentralisé. Qui pas mandé yon vérification d'identité ou. Mais sauf que ou a gagné 12 clés ou bien 10 clés, ça parle dépend de combien on mandou là, pour être capable de vérifier qui est-ce qui gagne plateforme ça. En dehors portefeuille, on est capable de dire gagne deux clés. Deux clés, gagne une clé publique, gagne une clé privée. Capable de dire. Clé publique là, c'est une adresse qui est dans le portefeuille. Ça, les wap recevoir, les wap voyer crypto, et même capable de dire c'est à l'aide de clé publique ça que vous utilisez pour capable voyer ou bien recevoir crypto. Yo. Ça, c'est adresse ou bien clé publique que vous même capable de dire. Clé publique que vous même capable de dire. Deuxième clé qui gagne, c'est clé privée. Clé privée, c'est un ensemble de lettres et de chiffres qui est dans le portefeuille utilisateur. À chaque fois qu'on fait une transaction, eh bien, clé ça, c'est comme si vous signez une transaction. C'est comme si vous signez une transaction, vous dites, OK, moun ça, c'est lui-même qui t'a fait transaction ça, grâce avec clé ça. Ça aurait les H. OK? Ça aurait les ID. Vous gagnez les n'importe genre selon portefeuille que vous-même. Ou gagnant. Mes amis, dans le monde crypto, portefeuille là, il est vraiment important pour moun qui veulent recevoir, envoyer crypto. Eh bien, dans le domaine ça, premier bagage pour nous que tu as supposé gagner dans le domaine crypto-monnaie, dans le domaine trade, eh bien, c'est un portefeuille. Mes amis, moi, t'es bien content pour me laver, nous. Si vous voulez contacter pour acheter le livre là, nous sommes capables toujours faire ça. C'était pour fou, prof. PLJJ. À la prochaine.